Chers téléspectateurs, je vais vous parler aujourd'hui d'une séquence bien particulière de l'histoire de la politique étrangère américaine. C'est la séquence que l'on désigne souvent sous le terme d'isolationnisme. Alors c'est un sujet évidemment qui nous renvoie à une actualité récente, étant donné les choix formulés par le président Trump, les critiques que tout cela peut susciter ici ou là. Comme d'habitude, il est toujours utile de revenir vers l'histoire pour voir ce qui a été et dans quelle mesure cela peut nous permettre d'éclairer le présent. Alors, pour évoquer cette période qui nous mène en fait de la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'au début de la Seconde, jusqu'à l'entrée en guerre de l'Amérique après l'attaque japonaise de Pearl Harbor, il faut rappeler tout d'abord que toute cette séquence a commencé par un échec complet de la politique wilsonienne. Thomas Woodrow Wilson, élu président des États-Unis en 1912, réélu en 1916, fait entrer son pays dans la guerre en 1917 dans les conditions que l'on sait, après le déclenchement de la guerre sous-marine allemande, et l'on sait le poids qui va être celui des États-Unis dans l'issue du conflit. Mais derrière cet engagement, Wilson avait un projet très ambitieux, celui d'une nouvelle diplomatie, d'un nouvel ordre mondial, fondé notamment sur l'existence d'une société des nations appelée à arbitrer les conflits à venir, fondée sur le respect du droit international. Et ce projet ambitieux, eh bien, il va échouer complètement dès le départ, puisque Wilson sera incapable de faire ratifier par le Congrès le texte du traité de Versailles et également le fameux pacte ou covenant de la SDN. Les choses vont se passer assez rapidement. Le traité de Versailles est signé le 28 juin 1919. Dès le mois de juillet, Wilson est de retour outre-Atlantique, hein, et il a besoin de la majorité des deux tiers du Congrès pour que la ratification du traité et du pacte de la SDN soit possible. Or, il y a une forte opposition au Congrès menée par un certain nombre de personnalités marquantes, le sénateur Borah, par exemple, de l'Idaho, par exemple le futur président Harding, et puis à la tête de la commission des affaires étrangères du Sénat, Henry Cabot Lodge, qui est un adversaire tout à fait déterminé de Wilson. Alors, il apparaît très clairement et très rapidement que on ne pourra pas dégager de majorité au Congrès si un certain nombre d'amendements ne sont pas apportés au texte discuté. Or, et c'est là que les choses se compliquent, Wilson est absolument contre tout compromis et contre tout amendement, ce qui va évidemment plomber sérieusement les perspectives d'une ratification. Pour avoir une idée de la situation, du rapport des forces, sur les 17 membres de la commission sénatoriale des affaires étrangères, il y en a 14 qui sont hostiles au traité. Alors, Wilson espère que l'opinion publique imposera à la classe politique une évolution, le choix final de la ratification, mais il se fait à ce sujet, on va le voir, pas mal d'illusions. Les responsables américains, beaucoup d'entre eux, voient dans les traités, voient dans le pacte de la SDN une remise en cause de la doctrine Monroe qui laisse aux États-Unis une sorte de monopole sur les affaires de l'hémisphère occidental, et ils ne veulent à aucun prix voir entamer la souveraineté du pays. De plus, Wilson a conclu avec la France un traité de garantie qui est susceptible d'entraîner de nouveau l'Amérique dans une guerre en Europe, et cela, la classe politique américaine, à une large majorité, n'en veut pas. Dans l'opinion publique, les Irlandais sont les Américains d'origine irlandaise sont mécontents du traité qui n'a pas donné l'indépendance à leur pays. Les Italiens sont mécontents également voir les revendications de leur pays d'origine non satisfaites. Hein. Et puis, il en va de même évidemment pour les
les germano-américains qui sont furieux de ce que le traité implique pour l'Allemagne, leur patrie d'origine. Il y a de plus le problème des dettes considérables qui ont été contractées par les Européens aux États-Unis durant la guerre, et tout cela va empoisonner les relations au cours des années suivantes entre l'ancien et le nouveau monde. En plus, Wilson est malade. Pour essayer de vendre en quelque sorte son traité à l'opinion publique, il va organiser une tournée de propagande dans l'ensemble du pays, dans le Middle West, jusqu'en Californie. Il va s'en trouver encore plus affaibli. Il sera même victime d'une attaque et sera obligé de rentrer plus tôt que prévu à Washington, après avoir parcouru 5000 km et prononcé 36 discours. Tout cela finalement pour des résultats bien minces. Les amendements proposés par les sénateurs, il n'en veut pas, ce qui fait qu'on va se retrouver avec l'addition de ceux qui sont hostiles au traité par principe et ceux qui, avec Wilson, refusent tout compromis. Ce qui, évidemment, condamne d'avance une évolution favorable des choses. En novembre 19, un premier vote est tout à fait négatif quant à l'acceptation du traité. Et peu de temps après, le Sénat confirme ce vote négatif. Alors, Wilson se dit qu'il aura sa revanche dans la perspective des élections présidentielles de 1920. Il ne compte pas se présenter lui, mais il y aura un candidat démocrate, Cox, qui va être désigné après 14 tours de scrutin lors de la convention démocrate. Ça s'annonce mal. Alors que la convention républicaine a désigné Harding, qui se fait le champion de ce que l'on va appeler l'isolationnisme, le champion du retour à la normale par rapport à la situation donc qui était celle de 1914. Alors Harding est élu après que l'Amérique a refusé donc de ratifier le pacte de la SDN et le traité de Versailles, et pendant la période républicaine qui va suivre, qui va s'étendre de 1921 à 1933, eh bien on a un moment de la politique étrangère américaine marqué par le nationalisme et l'isolationnisme, hein, le tout résumé dans la formule de Harding, America first, l'Amérique d'abord. En novembre 1920, c'est ce courant qui l'emporte très largement lors des élections présidentielles. C'est donc une volonté de retour à la normale, d'autonomie de l'Amérique dans le nouvel ordre international qui est en train de s'installer, qu'il faut mettre en avant. Une Amérique qui continue à recevoir de grandes quantités d'immigrants venus d'Europe pour l'essentiel, mais maintenant aussi du Mexique. Une Amérique qui en 2021 connaît une crise économique passagère, une crise de surproduction liée à la reprise qui intervient alors en Europe. Mais la prospérité est rapidement établie et elle va marquer ensuite toute la période des années 1920. Il n'empêche que les Américains, suite à la crise de 2021 qui a fait monter le chômage, attendent des mesures en matière d'immigration, et dès 1921, une première loi de quotas est votée. On admet pour chaque communauté immigrée seulement 3% du nombre d'immigrants présents en 1910. Et on va même renforcer encore tout cela en 1924 avec le Johnson Act, où là c'est maintenant 2%, et avec une année de référence qui sera 1891. Il s'agit de limiter l'arrivée des Italiens, des Slaves, et de favoriser au contraire l'immigration globalement WASP, blanche anglo-saxonne protestante. Pendant toute cette période, pourtant, l'Amérique se porte bien sur le plan économique. La guerre a donné un coup de fouet formidable à son économie. Les investissements
d'investissement qui venait d'Europe, maintenant, eh bien, le courant s'est inversé, ils vont de l'Amérique vers l'Europe. Alors, à cette époque, on commence cependant à parler d'isolationnisme, hein, même si certains s'y opposent. En 1925, un certain Perry Belmont va publier un ouvrage, L'isolement national, une illusion. Hein, ils mettent en garde les républicains contre cette tentation. En fait, ceux-ci vont surtout faire preuve d'opportunisme, de pragmatisme, ne vont pas adopter une attitude véritablement idéologique sur la question. Hein. Harding est un homme originaire de l'Ohio, qui n'a pas fait d'études universitaires, c'est avant tout un pratique, un pragmatique. Le slogan « L'Amérique d'abord » lui a parfaitement réussi. Il s'inscrit aussi dans les préoccupations de ses concitoyens concernant l'immigration. Que dit-il à ce sujet ? Je crois à l'établissement de règles pour l'immigration, car cela concerne la citoyenneté future de la République et pas seulement le problème de la main-d'œuvre industrielle. Donc là, il insiste fortement sur les aspects d'identité nationale par rapport au simple calcul économique qui aurait conduit à une immigration de main-d'œuvre à bas prix. Il a avec lui, pour diriger les affaires étrangères, Harding, il y a un secrétaire d'État qui s'appelle Charles Evans Hughes, personnage très, très intelligent, qui a fait déjà une brillante carrière politique en amont, qui a été rival de Wilson lors des élections de 1916, mais dont Harding fait son secrétaire d'État aux affaires étrangères. Harding va mourir pendant son mandat en 1923 et c'est son vice-président Calvin Coolidge qui lui succède. Dépourvu de toute expérience sur le plan international, hein, et le même Coolidge sera réélu en 1924. Durant ce second mandat, Hughes démissionnera. Alors, quels sont les grands choix qui sont faits durant cette période par le pouvoir américain ? D'abord, le refus de reconnaissance du régime soviétique, le maintien de la méfiance vis-à-vis de la SDN. C'est un traité à part que les Américains vont signer avec l'Allemagne en 1921 pour rétablir la paix, puisque le traité de Versailles avait été rejeté par le Congrès. Ils vont signer de la même manière des traités avec l'Autriche et avec la Hongrie, et conserver donc une très grande méfiance vis-à-vis de la SDN, l'institution genevoise. Ils sont assez critiques vis-à-vis de la question des réparations allemandes, hein, parce qu'ils voient bien les difficultés que cela risque d'entraîner en Allemagne, hein, et surtout ils sont très remontés contre l'idée avancée par les Français de lier le paiement des dettes aux États-Unis sur la question du règlement des réparations allemandes. Mais l'Amérique, durant cette période, n'oublie pas aussi les conditions de la puissance. C'est l'époque des conférences de Washington, conférences de désarmement naval et conférences concernant la Chine. Hein, l'Amérique, même si elle est en dehors du nouveau système international organisé autour de la SDN, songe bien sûr à ses intérêts. Même chose en ce qui concerne l'Amérique latine, où là la doctrine Monroe reste très actuelle. Hein, le spécialiste au département d'État de l'Amérique latine, Sumner Wells va suivre de très près l'évolution de la situation dans les pays où les États-Unis avaient l'habitude, avant 14, d'aller faire la police. Alors certes, on n'en est plus à la politique du big stick, du gros bâton de Theodore Roosevelt, mais dans les Caraïbes et en Amérique centrale, les États-Unis restent extrêmement présents. Et s'ils s'opposent au protocole de Genève en 1924, c'est parce qu'ils refusent toute intervention éventuelle de la SDN, toute intervention extérieure dans leur zone d'influence. Alors, sur ces entrefaites, le pays va connaître la période de
prospérité que l'on sait jusqu'en 1929, prospérité tout à fait extraordinaire, croissance spectaculaire, amélioration du niveau de vie. À ce moment-là, Hughes a quitté le département d'État, c'est Frank Kellogg qui lui a succédé, et cette période va être marquée par cette tentative tout à fait insolite du pacte Briand-Kellogg, hein, un pacte de renonciation, un pacte de renonciation à la guerre qui va être finalement signé en 1928, qui restera évidemment sans grand effet, mais qui traduit bien quel est l'état d'esprit régnant alors aux États-Unis. Hein. On est sur une posture certes nationaliste, isolationniste, si l'on peut dire, mais en même temps, on souhaite le maintien de la paix et un certain nombre d'institutions sont même mises en place à cette époque, dans cette perspective, hein, comme la Fondation Carnegie, par exemple. Et puis, il y a aussi d'autres organisations plus radicales pour la mise hors la loi de la guerre. Ça, c'est un aspect aussi important lié à toute dimension moralisatrice de la politique étrangère américaine. C'est un aspect important aussi de l'époque. Hein. Les Américains vont entretenir des relations avec la France dominées par la question des réparations. Hein. Les Américains, là ça sera à l'époque du président Hoover, pour faire face à la crise, vont suspendre le paiement des dettes entre les États. Nous serons à la conférence de Londres de 1931. Cela va enclencher un processus évidemment tout à fait inévitable pratiquement. C'est qu'en 1932, la crise continuant à se développer, eh bien, la conférence de Lausanne suspend les dettes entre États de manière indéfinie, moyennant quoi les pays européens, du coup, ne veulent plus payer leurs dettes de guerre aux Américains. Seule la petite Finlande honorera ses engagements. Alors ça, c'est un point important parce qu'au niveau de l'opinion publique, évidemment, ça ne peut que renforcer le sentiment isolationniste outre-Atlantique. Hein. Cette attitude, cette posture va se confirmer au début des années 30, hein, alors que Hoover est devenu président avec Henry Stimson aux affaires étrangères. Et cette posture, on va la retrouver même à partir de 1933 dans l'Amérique de Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, qui est élu en novembre 32, et lui, pas du tout d'accord avec ce repli américain. Il pense que les intérêts de la démocratie qui se confondent avec ceux de l'Amérique obligent celle-ci à se préoccuper des affaires du monde, mais il a affaire à une opinion publique complètement rétive sur ce point. Hein, il faudra, on sait, à la fin des années 30, il y a les premiers sondages d'opinion de l'Institut Gallup, il y a 95% des Américains hostiles à toute intervention en Europe, quelle qu'en soit la raison. Et Roosevelt apparaît de ce point de vue isolé, même si en 1937, il lance à Chicago son fameux discours de la quarantaine tourné contre l'Italie, le Japon, l'Allemagne. C'est l'époque aussi, sous la pression de l'opinion et du Congrès, qui voit voter les lois de neutralité, hein, une commission sénatoriale dirigée par le sénateur Gerald Nye avait montré que l'entrée en guerre en 1917 avait pu être favorisée par l'attitude des banques américaines qui étaient créancières des pays de l'entente, donc il fallait empêcher cela. Donc des lois de neutralité qui vont introduire l'embargo sur les armes et sur les autres marchandises, eh bien introduire la clause cash and carry, c'est-à-dire que les pays acheteurs devaient se charger du transport des marchandises en question et les payer cash, sans recours
sans recours au crédit. Cela dit, l'opinion n'en reste pas moins tout à fait favorable à la neutralité et à l'isolationnisme, et il faudra l'attaque japonaise de Pearl Harbor pour que les choses changent, même si en amont, Roosevelt a déjà préparé, dans la perspective de la guerre, des plans de réarmement, évidemment, dont les effets seront évidemment des plus utiles à partir de 1941. Nous avons le plaisir, chers téléspectateurs, et l'honneur de recevoir aujourd'hui un éminent savant en matière de linguistique, puisqu'il s'agit de Jean Audry. Et nous allons le voir, la linguistique se recoupe largement avec l'histoire et un certain nombre de questions qui font l'objet aujourd'hui de beaucoup de débats. Jean Audry, normalien de la rue d'Ulm, qui est agrégé de grammaire, s'est ensuite spécialisé dans le domaine de la linguistique. Il a enseigné à la Sorbonne, puis à l'Université de Lyon 3, dont il a été professeur émérite. Il est surtout connu pour être le grand spécialiste français de la question indo-européenne, avec notamment deux ouvrages, petits par le volume, puisqu'il s'agissait de la collection Que sais-je, mais deux ouvrages tout à fait fondamentaux sur ce sujet. L'indo-européen, qui se penche davantage sur la langue originelle des peuples indo-européens, et les indo-européens, ceux qui en ont été les locuteurs. Alors il nous a donné, sinon de nombreux ouvrages savants, le dernier en date, Le feu dans la tradition indo-européenne, aux éditions Arché. C'est un ouvrage d'une richesse tout à fait exceptionnelle, un ouvrage savant, un ouvrage d'érudition, mais c'est l'occasion pour nous d'évoquer avec lui cette question indo-européenne qui fait débat, notamment depuis que Jean-Paul Demoule, qui est archéologue, a publié il y a quelque temps un ouvrage tout à fait partial et partisan pour dénoncer ce qu'il croit être une approche idéologique et pour contester même l'existence des indo-européens. Nous sommes dans une période un peu particulière, de même que nous avons certains auteurs, je pense à Patrick Boucheron, qui viennent contester la légitimité du roman ou du récit national. Eh bien, dans le domaine de l'archéologie et de l'histoire ancienne, Jean-Paul Demoule est un petit peu l'alter ego de Patrick Boucheron, puisqu'il a entrepris de déconstruire, lui aussi, à sa manière et dans son domaine, l'existence des Indo-Européens qui, pourtant, ne souffrent pas beaucoup de discussion. Alors, ce phénomène indo-européen, Jean Audry, comment pourrait-on le résumer pour le présenter à nos téléspectateurs? Quand découvre-t-on d'abord les indo-européens ou la communauté linguistique indo-européenne, et ensuite, quelles ont été les principales étapes de la recherche dans ce domaine? J'ai toujours pensé, comme d'ailleurs la plupart, je pense, des indo-européanistes, que les indo-européens sont les locuteurs de l'indo-européen reconstruit et rien d'autre. Ça n'est pas une notion historique, bien entendu, tout le monde le sait, mais ça n'est pas non plus une notion archéologique, car on ne peut pas dire d'un site préhistorique quelconque celui-ci est indo-européen et celui-ci ne l'est pas. Donc, il faut partir de la reconstruction de la langue. Et à partir de là, on est sur un terrain sûr, parce qu'il n'y a pas au monde une seule langue qui ne soit la langue d'un peuple. Alors quand je dis un peuple, ça ne veut pas dire un État, bien entendu. Il y a un certain nombre de peuples qui n'ont pas d'État, certains qui n'en ont d'ailleurs jamais eu, et certains qui actuellement voudraient bien en avoir et qui n'en ont pas. Ben, ça n'empêche que entre la langue et le peuple, il y a une unité qui est indissoluble et qui ne se perd que quand le peuple disparaît.
Donc la notion d'indo-européen peuple, elle découle directement, sans aucun intermédiaire, de celle de l'indo-européen langue. C'est ça. Et alors, à partir de ce peuple en quelque sorte originel, se sont effectués un certain nombre de mouvements de population, de migration, durant la préhistoire et la proto-histoire, qui ont abouti à la mise en place d'un espace de communauté linguistique tout à fait gigantesque, puisque tout cela nous emmène de l'Irlande jusqu'à l'ouest de la Chine, quand il s'agit des fameux tocariens. Oui, alors sans même l'appui de l'archéologie, on sait au point de départ qu'il y a eu des migrations, car pour qu'il y ait une langue relativement unitaire, ça veut dire où il y a peu de variantes attestées, que ce soit dans le système morphologique ou même dans le lexique, on a l'impression d'une langue unitaire. Alors, une langue unitaire, à notre époque, ça ne pose pas de problème avec les moyens de diffusion qu'on a. Mais dans le passé, où il n'y avait ni État, ni moyens de diffusion et de communication, une langue ne pouvait être unitaire que sur un espace très limité géographiquement. Donc on est certain qu'à un moment de leur préhistoire, les Indo-Européens ont vécu proches les uns des autres et sur un espace très limité. Bon, je ne donnerai pas de précision supplémentaire, car selon qu'il s'agit de sédentaires ou de nomades, avec toutes les situations intermédiaires qu'on connaît, l'espace peut être plus ou moins grand. Bon, bah, même quand il est le plus grand chez les nomades, il ne va pas d'un bout de l'Europe à l'autre bout de l'Asie. Et alors, la question de l'espace originel de cette population porteuse de cette langue qui va donner ensuite naissance à toutes les langues indo-européennes que l'on connaît, il y a tout un débat à ce sujet, entre les steppes pontiques au nord de la mer Noire, hein, c'est l'américaine Maria Jim Butas qui a mis en avant cette hypothèse, et puis une hypothèse anatolienne, c'est l'anglais Colin Renfrew qui a confondu en quelque sorte les Indo-Européens avec ceux qui ont été porteurs de l'agriculture, qui ont amené l'agriculture via l'axe du Danube en Europe, ou alors d'autres théoriciens qui plaçaient davantage dans la zone baltique, voire plus au nord, ce fameux foyer d'origine. Alors, aujourd'hui, où en sommes-nous de ce débat et quel est votre sentiment sur la question ? N'étant pas archéologue, je ne peux pas avoir de sentiment définitif, mais on peut déjà exclure l'origine anatolienne, parce que dans une région où on ne connaît pas le cheval et où on a très tôt des villes, je crois au 7e millénaire, il ne peut pas s'agir d'Indo-Européens qui ignorent les villes et qui ont utilisé, à partir d'un certain moment de leur préhistoire, le cheval. Donc ça s'exclut. Les courganes, au contraire, sont tout à fait conformes à ce qu'on sait de leur culture, leur civilisation. – Alors les courganes, pour nos téléspectateurs, ce sont les tumuli, les tombeaux ?– Alors, c'est un ensemble sur lequel je ne peux pas me prononcer, de sites archéologiques de Russie, du Sud et de l'Ouest. Alors, formait-il une civilisation, une culture archéologique homogène ou pas, ça je n'en ai aucune idée, ça n'est pas mon domaine. La thèse baltique a pour elle un argument décisif, à mon avis, qui est les noms de cours d'eau. On a des noms de cours d'eau indo-européens, jadis Crae parlait de vieil européen, mais on sait aujourd'hui que c'est de l'indo-européen.
Moi, je dirais probablement de l'européen, de l'indo-européen récent, mais enfin ça, nous viendrons plus tard à la chronologie. Mais enfin, c'est quand même de l'indo-européen. Alors que dans la partie russe, on a une hydronymie iranienne, ce qui se comprend très bien historiquement, mais pas indo-européenne. Donc, je donnerai la préférence à la thèse baltique, mais enfin, du point de vue archéologique, là, je suis tout à fait incompétent et je ne sais pas du tout si ça convient, et ni s'il y a une continuité possible entre ce qu'on sait de l'habitat baltique et de la culture des Kourganes. Ça, là, je ne suis pas dans mon domaine et donc je m'abstiens de porter des jugements. – Parce qu'il y a toute une thèse qui a été portée par l'Indien Tilak qui remonte encore plus au nord, l'origine des Indo-Européens jusqu'aux régions circumpolaires en fait. – Voilà, alors ça je l'ai adopté. – Que peut-on en penser de cette hypothèse ?– Je l'ai adopté totalement. Pour ce que je nomme la tradition indo-européenne, je n'ai pas projeté d'aller faire des fouilles dans les régions polaires, je ne sais pas du tout ce qu'il en est de l'archéologie correspondante. Non, mais en partant de la tradition, là, je pense qu'il a totalement raison. Maintenant, faut-il monter si haut vers le nord? Ça n'est pas... indispensable, car déjà dans les pays baltes et dans le nord de la Russie, bien on a des phénomènes très proches de ceux qu'on a plus au nord, et on a des contacts avec des populations qui connaissent physiquement ces phénomènes. Donc, à la limite, la culture des pays baltes serait suffisante pour justifier les observations et les raisonnements de Tilak. Donc c'est pas la peine d'aller chercher un habitat plus septentrional qui peut-être n'existe pas. – Alors la découverte des Indo-Européens, du phénomène Indo-Européen, c'est une aventure intellectuelle extraordinaire. Ça commence au XVIIIe siècle en comparant de manière un peu inattendue le sanskrit et puis le latin. – Oh, ça commence beaucoup plus tôt, dès la fin du Moyen-Âge, quand les premiers voyageurs ont trouvé des textes sanskrits et ont été surpris de comprendre un certain nombre de mots qui ressemblaient à du latin et du grec. Mais il y avait un blocage, et ce blocage, c'était un passage de la Bible sur les fils de Noé. Et il n'était pas prévu des Indo-Européens. Oui. Et alors, il y a d'autres découvertes spectaculaires dans cette histoire, dans cette aventure. C'est notamment le déchiffrement du Hittite, qui a révolutionné tout. Ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, ça passe un peu inaperçu, mais c'est tout à fait extraordinaire. Bon, ça a été un pas de géant, mais aussi ça a été une remise en question de la fameuse théorie des laryngales remontant à la fin du siècle précédent. Tant qu'on ne les avait pas vus sur le terrain, ça allait vraiment très bien. On partait du grec, on avait trois laryngales, elles étaient représentées très bien. Et puis on a trouvé le hittite et puis les langues apparentées, et on s'est aperçu que des laryngales qu'on attendait ne figuraient pas en hittite et que d'autres qu'on n'attendait pas y figuraient. Bon, c'est ça la science, hein. Il y a des surprises, de bonnes surprises et de mauvaises en même temps. – Alors dans cette aventure de la découverte du monde indo-européen, il y a un nom évidemment qui s'impose, c'est celui de Georges Dumézil, dont l'œuvre a été déterminante en ce domaine. Parce que nous a-t-il apporté, lui, particulièrement, quant à notre connaissance du monde indo-européen? Les linguistes avaient mis
en lumière donc les parentés entre diverses langues anciennes. Tout cela était confirmé en partie par l'archéologie, que Dumézil nous apporte-t-il à partir des années 1930 dans ses différents ouvrages ? Il nous a apporté un grand nombre de faits qui me paraissent incontestables, mais aussi une méthode, et une méthode qui s'oppose directement à celle qu'on avait suivie jusqu'alors, qui consiste à ne pas faire entièrement confiance à la forme, mais de s'appuyer sur des notions. Effectivement, on ne peut pas comparer des notions comme on compare des formes en superposant phonème à phonème. Des notions, ça se compare, ça ne se superpose pas. Néanmoins, même dans l'évolution linguistique, on sait que les notions sont un élément considérable et qu'il ne faut pas en faire abstraction, qu'il ne faut pas s'hypnotiser sur la forme. Bon, alors certains, pour des raisons méthodologiques, ont refusé, d'autres avaient peut-être d'autres raisons, peu importe. Moi, j'ai adhéré, disons, à 99% aux thèses de Dumézil. Bon, ici et là, je ne suis pas d'accord. Et je l'ai dit. Par exemple, lorsque il répudie l'étymologie. Bon, pourquoi pas? Mais à certains moments, comme quand il a traité de Quirinus, pour sa fameuse triade où Quirinus est le maillon faible, eh bien il a été bien content de trouver l'étymologie pour montrer que c'était un personnage de troisième fonction, alors que tout le présente comme un guerrier. Alors, bon. Alors justement, ce qu'il apporte Dumézil, c'est cette vision de la société, au-delà du comparatisme linguistique ou religieux. Il réussit à déceler dans les diverses traditions mythologiques, les récits épiques, etc., des divers peuples, des structures communes et une organisation particulière, spécifique de la société. Voilà, alors ça, je l'accepte totalement, en remarquant simplement que cette organisation ne est, même cette conception, la conception sous-jacente, ne peut pas être très ancienne. Alors pourquoi ? Parce que pour penser une société différenciée et organisée à partir des fonctions, alors que ces fonctions aient abouti à des ordres ou pas, peu importe. On sait que les ordres sont de toute façon récents. Mais qu'on ait pensé à des fonctions, il faut déjà que la société soit différenciée, parce que si elle ne l'est pas, on n'aurait pas imaginé un modèle différencié. On part toujours du réel. Ça, Dumézil ne semble pas avoir attaché suffisamment d'importance à ce fait. Moi, je pars toujours de la réalité concrète. Bon, si on pense à trois fonctions, c'est que dans la communauté du peuple, il y a des choses qui donnent lieu à cette réflexion, et donc qu'il y avait des clivages. Bon, les clivages, ils ne remontent certainement pas à la période paléolithique. Vous me direz, la période paléolithique ne concerne pas les Indo-Européens. Mais si, elle concerne directement les Indo-Européens. Je l'ai montré très simplement en rappelant que le nom de la pierre, Akmon, qui signifie à la fois l'enclume et le marteau, ça ne se relie pas à des techniques néolithiques où l'enclume est une chose, le marteau en est une autre, et encore moins évidemment à l'âge des métaux. Donc je pense qu'il y a des traces nettes de culture paléolithique dans le lexique indo-européen. À cette époque-là, où il y a une société sans classe,
je pense qu'on avait d'autres préoccupations que la hiérarchie des fonctions. C'est ça. Cette hiérarchie, elle apparaît en gros au deuxième millénaire, à hauteur de l'âge du bronze. Oui, même peut-être enfin, un petit peu en amont. Je pense qu'elle est quand même plus ancienne, parce qu'à l'âge du bronze, il y a des peuples. Elle apparaît constituée déjà. Il n'y a plus d'indo-européens, très peu. Il y a peut-être encore des intermédiaires, mais il n'y a plus de communauté indo-européenne depuis longtemps. Oui. Donc je pense que les trois fonctions s'est apparu au cours de la préhistoire des indo-européens et qui a. Avant, un État a déterminé qui a rendu possible la conception alors que la réalité correspondante n'existait pas. Alors, voilà des éclairages extrêmement précieux donc, de tout ce débat relatif aux Indo-Européens. Je voudrais que nous terminions avec quelques réflexions relatives à votre dernier ouvrage, Le feu dans la tradition indo-européenne, aux éditions Arquet. Alors, le feu, effectivement, pour tous les familiers du monde antique, on voit bien quel rôle il peut jouer. On pense évidemment à Prométhée qui subtilise le feu pour en faire bénéficier les hommes, on pense aux Vestales romaines gardiennes du feu, on pense dans le monde indo-européen à l'importance du feu dans la tradition indienne, sanscrite. Quel est le dénominateur commun en quelque sorte dans la tradition indo-européenne de ce phénomène du feu ? Eh bien, il est certain que si je n'avais pas eu à ma disposition les faits indo-iraniens, où il y a des divinités feu dont le nom est feu, Agni en sanskrit, Attar en avestique, bah, j'aurais été quand même un peu gêné aux entournures pour soutenir que tel et tel représente le feu. Mais là, j'avais deux exemples indéniables auxquels il a été facile d'ajouter le volcanus latin, pour lequel on a une très bonne étymologie, qui a été écarté longtemps pour des difficultés formelles illusoires, mais là on a vraiment maintenant trois représentants du feu masculin. Donc ça suffit pour affirmer que ça n'était pas une innovation indo-iranienne et qu'il y a bien eu un dieu feu chez les indo-européens. À partir de là, le reste, c'était des conjectures qui ont été faites par des devanciers lointains. Je pense notamment aux deux feux germaniques, Loki et Heimdall. On a, au XIXe siècle, à plusieurs reprises montré que leur mythologie reposait essentiellement sur le feu. D'ailleurs, dans son livre sur Loki, Dumézil le reconnaît. Et puis alors, il y a eu une mode antinaturaliste à la fin du XIXe siècle, qui s'est accentuée par la suite, et il a fallu trouver de nouvelles interprétations sociales et autres de phénomènes, de personnages qui avaient été fort bien interprétés à partir des éléments. Bon, dans notre discipline comme ailleurs, il y a des questions de mode. Moi, je ne suis sans doute pas à la mode, mais enfin, je me fais à l'idée, et donc j'attache plus d'importance aux faits, aux données, qu'aux modes et aux candidat-on. Donc j'ai repris ces interprétations, ça ne m'a d'ailleurs pas donné beaucoup de mal, puisque c'était déjà là, et heureusement, il y avait derrière Agni, Attar, Volcanus. Donc je savais qu'on pouvait opérer dans cette direction et que mes devanciers ne s'étaient pas trompés. Bon, qu'est-ce que j'ai ajouté ? J'ai ajouté Janus. Alors Janus, ça, je crois avoir fait le tour de la question bibliographique, et je n'ai jamais vu
qu'on ait interprété Janus à partir du feu. Donc ça, effectivement, mes collègues latinistes auxquels j'ai présenté cette théorie, ils étaient assez surpris. Ça, je les comprends très bien. On a dit pas mal de choses sur Janus, mais ça, on ne l'avait jamais dit. Enfin, Janus, c'est le partenaire de Vesta. Mm-hmm. Hein, quand on dit en latin tous les dieux de Janus à Vesta, Janus le premier, Vesta la dernière, il faut bien qu'ils aient quelque chose en commun. Mm-hmm. Or, pour Vesta, là, c'est pas le feu, c'est le foyer. Bon, entre le feu et le foyer, il y a quand même, vous savez que le nom français du feu ne vient pas du latin ignis, il vient du latin focus qui signifie foyer. Donc il y a continuité entre feu et foyer. Le védique agni, il faut le traduire plus souvent par foyer que par feu. Hein, quand on parle des agnayas du rituel védique, ce sont des foyers. Bon, eh bien, je pense que la démonstration de l'origine de Janus comme feu, elle a été grandement simplifiée à partir de là. Mmh. Bon, maintenant, les arguments individuels, ça, ils sont à examiner individuellement, ils valent ce qu'ils valent. Mais l'idée d'ensemble, je crois, me paraît incontestable. Alors ces quelques remarques nous donnent évidemment idée de la richesse de cet ouvrage, Le feu dans la tradition indo-européenne aux éditions Arché, qui ouvre évidemment de nouvelles perspectives. Il s'agit, je le répète, d'un ouvrage savant, mais qui n'en est pas moins d'une lecture tout à fait passionnante. Et je vous remercie, Jean Audry, de nous avoir ainsi éclairé. C'est moi qui vous remercie.